Une toute nouvelle mise à jour sur Adopt Me grimpe au classement, waouh. Bon, je sais pas lire l'anglais, mais ouais, complète le Shunshin Pass. Oh là là là, cette mise à jour, elle est incroyable. C'est parti! Hello les gens, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo mise à jour. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, comme vous le connaissez bien. Et c'est parti, on va découvrir cette mise à jour. Et il y a Justin, j'ai invité Justin, on va se téléporter à lui. Et le voici, ah, dans sa toute nouvelle maison. Dis coucou Justin, coucou à la caméra, voilà. C'est parti, on va présenter la mise à jour et déjà on peut voir à gauche qu'il y a le Suncha Games qui a été ajouté. Ça se prend fin dans 15 jours, donc vous avez 2 semaines pour tester la mise à jour. On peut se téléporter? Non, donc on va aller se téléporter à l'Expocado et on va aller découvrir cette mise à jour qui a l'air incroyable. Oh là là, j'ai testé qu'une fois, donc comme ça je vais pouvoir bien vous montrer comment ça se passe cette mise à jour. Et on peut voir déjà le décor. Oh my god, regardez le décor comme il est trop beau. Je vais inviter Justin pour qu'il vienne avec nous pour pouvoir tester cette mise à jour à deux, comme ça, parce que plus on est fou, plus on rit. Voilà, donc je vais éviter. Il est là, c'est parti, on va lancer ça. Let's go, let's go. Oh là 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 là. Alors, très simplement, vous voyez, c'est écrit 000. Il a 3 mini-jeux, vous pouvez choisir. Alors, vous êtes obligé de faire les 3 mini-jeux, mais bah pour gagner plus, bien sûr. Et on peut choisir celui qu'on veut commencer. Donc, on va commencer celui-là. Alors, celui-là, c'est le plus dur, je trouve, parce que c'est plus compliqué. Donc, je vous explique, on a un rocher, voilà. Et en gros, on doit aller sur le truc vert. Donc, hop. Ah, bien, super, j'ai raté. Faut vraiment être sur le vert foncé. Parfait, let's go. Encore le vert foncé, let's go. Ensuite, encore vert. Ah non, j'ai raté. J'ai encore raté. Bon, au moins c'est bien. Parce que si on rate totalement, c'est vraiment nul. Mais il faut vraiment être nul. Hein. Allez, on lance. Et je vais gagner combien? Ok. Bon, on se retrouve quand ce mini-jeu-là est fini. Parce que vous avez à peu près compris comment cela fonctionne. Voilà, j'ai fini. Bon, j'ai pas dû gagner. J'ai gagné que 74. C'est pas énorme, hein, franchement. Mais le maximum, c'est 100, bien sûr. Donc, c'est parti. Maintenant, on va faire ces trampolines. Donc, très simplement, je vous explique. Bah, en gros, vous devez aller sur le rond rouge. Si vous allez sur le rond jaune, vous gagnez 5. Et si vous allez sur le rond rouge, vous allez gagner 10. Donc, voilà. Et ce qui nous aime bien, c'est que vous voyez, il y a en dessous de nous, on a l'ombre. Et du coup, comme ça, bah, vous pouvez mieux viser. Ça, c'est vraiment grave pratique. Donc, merci l'ombre, hein, franchement. Ça nous sauve la vie. On se retrouve quand c'est fini. Bah en fait c'était déjà fini. Bon, ça servait à rien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et le dernier mini-jeu, c'est le tennis. Donc en vrai celui-là je pense que c'est l'un des plus simples. Voilà, donc je devais aller sur le rouge comme pour l'autre, hein, très simplement. C'est pas compliqué. Franchement, ces mini-jeux-là, franchement, sont cool. Mais c'est dommage que bah dans 15 jours on pourra plus les tester, mais en vrai ils sont cool. C'est tellement bien si Adopt Me pourrait faire une petite mise à jour en mode tous les mini-jeux qui ont sorti, on peut tous les tester pour gagner par exemple des buffs. Franchement, ce serait grave bien, mais bon, c'est pas très grave, mais en tout cas ce mini-jeu là il est assez sympathique et je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai fini le dernier mini-jeu 574, ça me fait 274 XP, j'ai gagné, ouais. Lancer 2 câbles 74 sur trampoline 100 et poule au tennis, sans joli, let's go. Et on a gagné, oh, une médaille, je suis au niveau 5, oh my god, regardez, regardez ma licorne, oh, regardez comme elle est trop belle, ça lui va trop bien. Bon, et ben voilà, cette petite mise à jour, elle aura pas duré très longtemps. Ah, attendez, oui, j'ai oublié de présenter, il y a aussi l'éléphant à Robux. Bon, écoute, 100 Robux, c'est assez cher, mais en vrai franchement si vous voulez l'acheter, allez-y, mais bon, c'est un peu de la perte de Robux. Voilà, et là aussi le Sunshine Pass que je vous présentais. Donc voilà, on peut avoir en poisson là, voilà, tout ce qu'on peut avoir en t-shirt. Oh, on peut même avoir des autocollants, enfin des stickers intéressants, des potions. Ouais, encore un poisson. Ok, encore une médaille, ok. Ouais, un oiseau, ok, encore un poisson. Un gros cadeau, oh, même un véhicule. Et le lion, waouh, c'est trop bien. Bon, et ben voilà, c'est, je pense, la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Hein. Voilà, donc avec mon petit frère Justin qui est juste là-bas. Voilà, donc c'est vrai, cette vidéo, cette petite mise à jour, elle n'a pas duré très longtemps. Bon, voilà. Bref, bah, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous êtes les meilleurs. Allez, salut!